Alors salut, comme vous avez pu vous en douter avec les premières images, aujourd'hui je suis dans une petite sortie. Alors je suis pas en bikepacking, mais je teste mon setup. Donc c'est le setup que je vais utiliser en Biking Man et aussi pendant la 7 Endurance Bike qui va avoir lieu dans une semaine à l'heure où je vous parle. Là j'y serai en fait, je serai en plein dedans. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon setup mis à jour, le matos que j'emmène sur moi et sur mon vélo. Allez, je me trouve un petit coin sympa pour me poser et vous montrer tout ça. Allez, à tout de suite. J'ai trouvé mon petit spot au coin d'un chemin pour vous présenter mon setup bikepacking, Biking Man et 7 Endurance Bike. On va commencer par une vue générale. Donc on va faire tout l'extérieur et ensuite on verra le contenu des sacoches et ce que j'emmène. On va commencer par le poste de pilotage. Je mets mon GPS ici, donc dans le prolongement du cintre. Donc c'est un Garmin 1030, donc c'est top, l'autonomie est bonne, la navigation est bonne. Dessous, donc là je l'ai pas parce que j'ai pas l'adaptateur qu'il faut, mais dessous, ici, je vais mettre en fait une batterie externe Garmin qui me permet d'étendre l'autonomie à une quarantaine d'heures à peu près. Donc ça me permettra d'être autonome assez longtemps avec le GPS. Ici, je mets mon téléphone, donc c'est une fixation quad lock. L'année dernière, sur la rame, j'avais une fixation triban en aluminium que je mettais sur le guidon. Mais là, j'ai choisi quad lock, donc on va voir ce que ça donne avec le téléphone posé sur le poste de pilotage. Ça se met comme ça, ça se clipse, et en fait, le téléphone est ici, le GPS ici, donc c'est vraiment, comme c'est un petit téléphone, il prend pas trop de place, il gêne pas l'ouverture de cette sacoche, et il gêne pas la vision du GPS. Donc là, je suis vraiment bien, et pour l'enlever, c'est simple, j'ai juste un petit bouton ici à appuyer, et puis je tourne même pas un quart de tour, un dixième de tour, et j'enlève le téléphone, donc c'est top. Donc il faut juste la fixation quad lock qui se met au cintre, donc faut avoir qui se met à la potence, donc il faut juste avoir une potence assez longue. Moi j'ai 90 mm, c'est limite, mais ça passe quand même. Et il faut soit la coque spéciale quad lock, soit une fixation comme ici autocollante que j'ai collée sur une coque de téléphone normale. On passe à l'éclairage, donc sur le cintre, à droite ou gauche, là je l'ai mis à gauche, mais je mets ma lampe, donc c'est une Spanningator, la même que l'année dernière, que j'utilise aussi en VTT. Elle tient 10-11 heures, donc c'est plutôt pas mal. Et elle est reliée ici à une batterie que je mets dans cette sacoche-là, qui me permet en fait de ne pas avoir la batterie fixée sur le cadre. Donc là, elle est tranquillement dans la sacoche, pas de souci. Au niveau du cadre lui-même, ici, je mets une sacoche Apidura. Donc c'est une petite sacoche de 1 litre avec une ouverture aimantée qui est très facile d'accès en roulant. Et en fait, là-dedans, je vais mettre tout ce qui est nutrition rapide. Donc par exemple, un paquet de bonbons, des barres énergétiques, des petites choses à manger. Ici, ça sera que de la nutrition. Donc elle est bien, elle s'ouvre et elle se ferme très facilement en roulant. Ici, j'ai ma sacoche de cadre Ortlieb qui fait 4 litres. Donc on va voir le contenu après. J'ai mes deux gourdes, donc elles font tous les deux 600 ml, donc des feedlocks aimantés au cadre. Donc ça c'est pratique parce que je peux facilement les enlever et les remettre sans réfléchir. Donc ça c'est pas mal en ultra, surtout quand tu commences à être un peu fatigué. Ensuite ici, au niveau juste au-dessus du boîtier de pédalier, en dessous des gourdes, je mets un petit bidon Zephal avec un porte-gourde classique. Et en fait là-dedans je mets de l'outillage. Donc on verra exactement ce qu'il y a dedans, mais dedans chambre à air, pince, etc. Tout ce qu'il faut pour réparer. À l'arrière, j'ai ma sacoche de sel classique, donc c'est mon Ortlieb habituel qui fait 11 litres. Donc là, elle est assez peu chargée. Dedans, j'ai mis quelques affaires, mais je la charge vraiment pas beaucoup. Là, l'idée, en fait, c'est vraiment de charger le centre du vélo et un petit peu l'avant. Mais vraiment d'avoir tout le poids ici au maximum et ici pratiquement rien. Sur l'arrière, il reste deux choses, c'est l'éclairage arrière. Donc là, j'ai deux lampes à LED, c'est des O-Light. Donc je les allume pas forcément en même temps, mais en gros, en lumière clignotante, elles tiennent une quarantaine d'heures. Donc c'est vraiment top, on a de quoi voir venir. De manière générale, c'est assez light, donc avec juste sacoche de sel, sacoche de cadre, une petite sacoche entre potence et top tube pour la nutrition, un poste de pilotage minimaliste avec téléphone portable, GPS et une lampe. La batterie de la lampe à l'intérieur de la sacoche. Les deux gourdes et le petit bidon d'outils en dessous. Cette année, je vais tester quelque chose. Je l'ai testé sur une ou deux sorties, mais là, je vais le tester en version
définitive sur la Seven Endurance Bike et ensuite le Biking Man si c'est bien, c'est ça. C'est un sac banane, donc je l'utilise habituellement en VTT. Donc on va voir ce que ça donne, ça peut en VTT, moi j'aime beaucoup. Et en fait ça condamne les poches arrière du maillot, mais bon, ça donne plus de place. On va commencer par ça pour le contenu de mon setup. Donc voilà le sac banane. Donc en fait il est fixé sur mes hanches à l'arrière. Il se fait vraiment pas sentir, faut pas trop le remplir, mais honnêtement moi j'aime bien et je trouve que c'est pas mal, tu peux mettre pas mal de choses, en tout cas plus que dans des poches. Et je trouve que c'est plus facile d'accès parce qu'en fait on peut le faire tourner sur nos hanches et le mettre devant pendant qu'on roule et puis récupérer des choses dedans, c'est vraiment pratique. Donc la première chose que j'ai mis dessus, c'est une troisième gourde, parce que en Biking Man et puis même dans des grandes sorties, c'est bien d'être autonome en eau. Et en Biking Man, si je me trompe pas, faut 1,5 litre d'eau. Donc avec mes deux gourdes que j'ai sur le cadre, ça suffit pas. Donc là j'ai décidé de rajouter une gourde classique, un peu, elle est isotherme. Donc je rajoute dans les petits filets sur les côtés de mon sac banane. Donc maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de plus. Donc en gros dans le sac banane, globalement c'est le thème c'est un peu l'électronique. C'est tout ce qui est câble et tout le bazar. J'ai mis dedans une batterie externe. Donc avec deux ports USB et deux ports pour recharger. Donc un USB-C et un micro USB. Donc c'est la marque, c'est Anker. Et elle fait 20 000 mAh, donc ça permet de voir venir, on peut charger de nombreuses fois un téléphone, énormément de fois les lampes arrière, on peut recharger le GPS tranquillement. Donc avec ça, t'es autonome au moins 2-3 jours tranquille. J'ai mis une prise murale avec double USB, donc ça c'est en cas de besoin de recharge, ou en tout cas si j'ai une lampe facile d'accès, je peux charger mon matériel. Même s'il n'est pas totalement déchargé, je le charge, je peux charger deux choses en même temps, donc c'est top. Et je peux même charger ma batterie externe avec. J'ai mon chargeur de GoPro avec batterie, donc j'aurai trois batteries GoPro, avec le câble USB-C qui va bien. Une paire d'écouteurs, ça bon j'emmène, mais pour des fois ça peut être dans des moments difficiles d'écouter un peu de musique ou quand on fait une pause. Ça, c'est au goût de chacun. Ma pompe à vélo, elle est pas mal parce qu'elle est inflexible au bout, donc c'est vraiment pratique pour gonfler sans abîmer sa valve. Ensuite, j'ai mis dedans mon petit bidon de lubrifiant parce qu'au bout d'un moment, la chaîne, elle se sèche. Donc en ultra, c'est très pratique. Là, j'ai mis le câble Lightning pour charger l'iPhone. Parce que c'est bien, Apple, c'est pas mal leur téléphone, mais bon, toujours des prises différentes des autres. Donc c'est chiant, on est obligé d'avoir un câble spécial. Ici, j'ai deux petits câbles USB vers USB, vers micro USB qui me permettent de charger mes lampes. Permet de charger le GPS tranquillement et je peux charger deux choses puisque j'ai pris deux câbles. Ensuite j'ai un petit adaptateur, donc ça c'est assez sympa, je l'ai acheté sur le site de Calamp qui est une marque française qui fait des lampes VTT et route qui sont vraiment de bonne qualité. En fait c'est un adaptateur qu'on peut fixer ici cet embout là sur les batteries de la Spanninga, des batteries Samsung en fait, et en fait de l'autre côté c'est une sortie qui permet en fait de se servir en fait de la batterie de lampe comme une batterie externe. En fait on branche en USB quelque chose ici et en fait on peut recharger un appareil, se servir en fait de mes batteries, je peux me servir de ma batterie de lampe comme d'une batterie externe. Et le mini USB ici permet de faire le sens inverse en fait, d'aller recharger la lampe Samsung de mes Spanninga. J'ai pris une lampe frontale, donc ma lampe frontale classique, une Petzl Bindi toute petite qui va me permettre vraiment le soir ou quand il fait nuit, si je veux faire du bricolage ou je veux voir un petit peu, et puis si vraiment si j'ai plus de lampe avant, je prends ça en secours. Et ça se recharge par micro USB très vite, donc c'est très pratique. J'ai aussi pris un couteau classique pour manger, pour bricoler, pour faire n'importe quoi. Là-dedans, j'ai mes papiers, donc carte passeport, carte vitale, du liquide. Ça, il faut l'avoir toujours avec soi. Par sécurité et le liquide, c'est très pratique. Un masque, une couverture de survie, donc ça c'est vraiment en cas d'urgence. Et puis si par exemple je dois dormir dehors ou il fait froid, je mets ça, ça m'évite d'emmener un bivy par exemple. Et enfin, dernière chose, une petite pharmacie avec doliprane, pansement, pince à épiler, épingle à nourrice, etc. En résumé, c'est de l'électronique avec des câbles, la pharmacie avec couverture de survie. Et un peu de matériel, réparation vélo, lubrifiant, pompe à vélo, ainsi que mes papiers et mon liquide.
et il me reste un peu d'espace. Quand je mets tout ça dedans, il me reste un petit peu d'espace. Donc si je veux mettre par exemple un peu de bouffe que j'ai acheté sur la route, je peux le mettre dedans. J'ai un deuxième filet sur le côté, de l'autre côté de la gourde, où je peux mettre aussi de la bouffe ou un vêtement, un petit vêtement en boule. Et aussi, j'ai deux poches ici et là, au niveau des hanches, où je peux mettre du petit matos ou des petites bricoles. Donc ça, c'est vraiment bien, le sac banane. Moi, j'aime bien parce que ça se fait pas sentir sur le bas du dos. Faut pas trop la charger non plus, mais c'est bien. Y a plus d'espace que dans des poches. Et puis, c'est plus pratique parce que quand tu roules, tu peux facilement faire pivoter le sac banane sur tes hanches, mettre le sac banane devant et récupérer des choses dedans, faire tes branchements sans devoir avoir besoin de t'arrêter. Alors que des fois, les poches, c'est un peu galère pour mettre quelque chose dedans, pour le récupérer, surtout si c'est un petit truc. Donc voilà. Donc le sac banane que je vais tester la semaine prochaine dans les Cévennes. On va voir si c'est concluant. Je l'emmènerai au Biking Man. On continue maintenant avec la sacoche de cadre. Dans cette sacoche, qu'est-ce que je mets? Donc ici, je vais mettre du vestimentaire et mes deux batteries de lampe. Donc c'est que du vestimentaire léger. En gros, c'est du vestimentaire que je dois être capable de facilement mettre et enlever en fonction des conditions. S'il fait un peu froid, s'il pleut. Et c'est des choses que je peux facilement re-ranger sans aucun souci. Donc c'est des choses qui vont servir assez régulièrement dans la journée, la nuit, qui peuvent être enlevées et remises. La première chose que j'ai là-dedans, c'est une paire de manchettes. Donc ça, c'est très pratique le matin, la nuit, quand il fait un peu froid, ça se met et ça s'enlève super facilement. Ensuite, j'ai un coupe-vent sans manche, très pratique aussi, pareil, en cas de fraîcheur, en cas de vent, en cas de descente de col. Un bonnet léger, donc ça, je le mets quand je transpire beaucoup ou quand il fait froid. Dans ce petit sac, dans ce petit baluchon, je sais pas comment on dit, j'ai une veste de pluie légère, donc sans capuche, mais très light, qui est vraiment bien s'il pleut un petit peu. Je la sors là-dedans, je la mets, elle est très légère et puis elle fait aussi un peu coupe-vent, donc ça peut être pratique si on a un peu froid dans une descente de col par exemple. Une paire de surchaussures, donc ça c'est en cas de forte pluie. S'ils annoncent de la pluie, s'il fait très froid, ça peut servir. Moi ça m'a bien servi à la RAF quand j'ai fait la descente du col de l'Isran, j'étais gelé et ça c'est vraiment top. Dernière chose en vestimentaire secondaire, c'est une paire de jambières, pareil que les manchettes. Donc moi je suis moins sensible au niveau du bas du corps pour ce qui est de la température. Donc ça c'est vraiment s'il fait vraiment froid. Mais ça peut toujours servir et comme ça prend pas de place, je le prends. Donc voilà, au niveau vestimentaire, dans cette sacoche là, j'ai que ça. Je peux éventuellement rajouter le bœuf. Ça c'est vraiment pratique un bœuf, ça peut servir, ça peut faire bonnet, ça fait écharpe, ça sert à tout. Donc ça je le mets soit là-dedans, soit je le mets autour de mon poignet, soit je le mets dans mon sac banane. Ensuite, l'autre chose que j'ai dans cette sacoche qui n'est pas du vestimentaire, c'est les batteries de lampe. Donc j'en ai deux identiques, une ici qui est branchée à la lampe et une deuxième secondaire, donc bien sûr chargée avant de partir. Donc en fait la première me permettra de tenir 10-11 heures en lumière intermédiaire, donc en gros on va dire une nuit complète voire un peu plus. Quand elle est déchargée, je mets la deuxième et pendant ce temps là je peux charger la première avec ma batterie externe, ou si dès que j'ai accès à une prise dans un commerce ou je ne sais où, je la branche. Donc avec ça je suis autonome, on peut dire je suis tranquille pendant deux nuits sûr et certain, voire même 3, mais en tout cas je peux voir venir quand j'ai la première qui est vide, je lance la deuxième. Donc c'est un peu lourd, mais au moins je suis autonome. Pour résumer, c'est les batteries de lampe et du vestimentaire secondaire qu'on peut facilement enlever ou mettre. Maintenant on va passer à la sacoche de sel. Là dedans c'est des choses qui sont censées très peu me servir. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Une chambre à air, une deuxième, parce que j'en ai une aussi dans le bidon là-bas que je vais vous montrer après. Ce t-shirt technique, donc ça c'est un t-shirt technique à manches longues qui permet de s'isoler en cas d'extrême froid et qui fait coupe-vent. Donc ça c'est vraiment pour se rajouter des couches supplémentaires en cas de froid. Et la dernière chose, c'est cette veste Gore-Tex imperméable avec capuche qui permet de mettre la capuche au-dessus du casque facilement et qui a un zip qui monte vraiment haut avec des grandes poches. Ça c'est en cas de forte pluie. Au Biking Man dans les Pyrénées, ça risque d'être très très utile. Pour ceux qui avaient vu mon setup de la RAF et puis ma vidéo de la RAF, j'avais une sacoche de sel beaucoup plus remplie pendant cette épreuve parce que j'avais emmené du change, des vêtements pour me changer le soir. Mais là, j'ai décidé pour les Cévennes et pour le Biking Man de pas du tout emmener de change. Je vais pas du tout me changer
pas de caleçon de rechange, pas de t-shirt de rechange, pas de tenue, deuxième tenue de vélo, juste une seule tenue. Donc c'est pour ça que j'ai libéré beaucoup d'espace et j'ai pu faire une sacoche de sel vraiment peu remplie. Mais pour l'instant, c'est difficile de s'en passer. Après, ça dépend des conditions climatiques. Si je fais un truc plus court et que je vois que le temps est très beau et qu'il n'y a pas de pluie, je pourrais me passer de ma veste Gore-Tex, de ma veste longue, mon petit t-shirt manche longue. Donc dans ce cas-là, je pourrais ne pas prendre de sacoche de sel. Mais au Biking Man Euskadi, je vais la prendre quand même parce que là-bas, la météo est très capricieuse, donc c'est mieux d'avoir la veste Gore-Tex avec capuche. Donc maintenant, on va passer à la dernière chose qu'il y a sur le vélo. C'est le contenu de ma petite sacoche de réparation. Donc ça, c'est du classique. On va regarder ça tout de suite. J'ai mis un petit chiffon pour du nettoyage simple. Mon multi-outil avec un dérive chaîne, les différentes clés torques, les Allen, maillon rapide. C'est le même multi-outil que j'utilise en VTT, il est vraiment bien. Ensuite, j'ai pris une pince coupante, un petit lot de collier Rilzan, ça, ça sauve la vie. Des rustines et de la colle, ça c'est en cas de multiples crevaisons, je peux réparer. Et enfin, on voit pas trop à l'intérieur, mais je vais pas les enlever parce que ça me saoule de les enlever et de les remettre. Mais j'ai deux démonte-pneus et une deuxième chambre à air. Sur moi quand même, qu'est-ce que je porte? Donc du classique, ma tenue de base, c'est un cuissard court, une paire de chaussettes, chaussures de VTT XEC, un maillot manche courte, un sous-maillot, mon capteur de fréquence cardiaque et puis ma caméra avec le harnais. Et puis bien sûr, casque et lunettes. Maintenant, je vais vous dire un peu pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai fait ces mises à jour par rapport à mon setup de la Race Across France. Donc le but de ce setup mis à jour, c'est de faire le Biking Man Euskadi. Donc c'est le Biking Man qui aura lieu dans le Pays Basque en septembre, tout début septembre. C'est les Pyrénées, donc par rapport aux Alpes, ça monte quand même plus raide et l'alternance montée-descente est plus grande. Là, il faut que je sois vraiment light. C'est pour ça que j'ai décidé de pas emmener de vêtements de rechange. Pas de caleçon, pas de t-shirt, pas de pantalon léger, rien de tout ça, juste mes tenues de vélo. Et puis les vêtements secondaires, pas de deuxième tenue de vélo non plus, ça sert à rien. La deuxième tenue de vélo, c'est quand tu l'as, t'es content, tu vas te changer, mais en fait, en vrai, ça sert à rien. La plupart du temps, ça va servir à rien, surtout sur le 1000 km. Après, je pense que sur 2600, ça peut valoir le coup, mais sur 1000 bornes, moi j'ai décidé une seule tenue de vélo, c'est tout. Une petite chose intéressante par rapport à avant, par rapport à ce que j'avais à la RAF, c'est les pédales. Donc là, j'ai des pédales sur ce vélo-là de VTT. Donc ce qui est bien, c'est que ça peut se clipper dans n'importe quel sens. J'utilise ces pédales avec mes chaussures de VTT XEC. Donc c'est des chaussures qui sont bien. Après, elles permettent de marcher un petit peu. Mais après, voilà, la semelle est hyper rigide. Donc ça permet, tu vas pas faire des randonnées avec ça. Mais bon, ça peut pallier à une petite marche. Autre chose, bon, il y a le poste de pilotage qui est mieux pensé avec la fixation quadlock et un GPS vraiment dédié au vélo avec une bonne autonomie. Avant, j'avais ma montre Phoenix. Alors ça fonctionne bien. Mon navigation, c'est quand même très léger, mais ça fonctionne. Mais là au moins j'ai un véritable GPS, une autonomie bien plus longue, hein. je tiens deux fois plus longtemps que la montre, facile. Et puis j'ai une vraie carte de navigation, donc ça c'est bien. Et puis pour fixer le téléphone, c'est pareil, quadlock c'est quand même pas mal, ça tient bien. Et puis c'est plus minimaliste que la fixation que j'avais avant. Et puis qui est aussi, ça c'est beaucoup plus léger en plastique, mais c'est plus solide aussi, je pense, que la fixation triban que j'avais avant. Mais bon, la fixation triban est pas mal, hein. Elle est pas chère, elle coûte 5€, mais bon, elle est plus lourde. Et elle prend plus de place. Là, au moins, je suis tranquille, j'ai ça sur la potence. Bon, ensuite, après, il faut avoir une potence qui est adaptée et qui est assez longue. Donc, j'ai le rétroviseur aussi, que j'avais pas à la RAF, donc ça, c'est vraiment pratique côté sécurité. Par rapport à avant, j'ai la sacoche Apidura ici. Donc, avant, j'avais deux petites sacoches, si je me souviens bien. J'avais mis une petite sacoche ici et une petite sacoche ici, qui faisait à peine 0,5 litres ou 0,3 litres, je sais plus. Mais vraiment, on pouvait pas mettre grand chose dedans, c'était vraiment limité. Là, j'ai décidé d'en prendre une plus grande de 1 litre. Et là, je décide là-dedans de mettre que de la nutrition. Parce qu'elle est facilement accessible en roulant sans s'arrêter. Elle s'ouvre et elle se ferme facilement. Les sacoches cadre et celle, c'est les mêmes que j'avais à la RAF. C'est des Ortlib. Elles sont étanches, elles sont solides. Moi, j'aime beaucoup. Là, vraiment là-dedans, maintenant, j'ai mis que du vestimentaire. Donc, c'est assez léger. Mes deux gourdes classiques. Donc, par rapport à avant où j'avais des porte-gourdes classiques, là, c'est des trucs aimantés. Mon outillage de réparation, une bonne partie est là, en bas du vélo. Pour abaisser le centre de gravité. Au niveau lumière, à l'avant, il n'y a pas trop de changement. Je suis resté avec ma Spanninga. Sauf que là, j'ai pris deux batteries pour être plus autonome plus longtemps. Mes lampes arrière, c'est pareil, j'ai changé. J'ai pris des lampes de la marque Olight qui tiennent un peu plus longtemps et qui peuvent se recharger surtout en micro USB. Donc ça, c'est surtout ça que je voulais. Et puis la dernière chose, la dernière modif et le dernier test, c'est le sac banane.
pour remplacer en fait les poches arrière. À la place d'avoir des poches, j'ai un sac banane, donc j'ai plus d'espace. Donc forcément, qui dit plus d'espace dit on est tenté de mettre plus de matos. Bon, faut quand même être, faut avoir la main légère et pas mettre trop de choses dedans. Mais bon, j'ai quand même mis des choses faciles d'accès que je peux avoir envie d'utiliser en roulant. Donc batterie externe, câble, une troisième gourde aussi pour avoir le quota d'eau obligatoire et puis pour pouvoir pallier un manque d'eau pendant de longues heures. Donc globalement, on est sur un bon setup que j'ai un peu testé quand même déjà. Donc là, je suis en sortie, mais pas longtemps pour voir si ça fonctionne bien. Mais bon, je doute pas que ça va bien fonctionner. Là, je vais le tester dans une semaine dans les Cévennes. On va voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être sympa. Et puis ça me confortera dans le setup pour le Biking Man. Donc je pense qu'on est bon pour ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées d'amélioration, si vous voulez des renseignements, pas de soucis. Moi, le setup, il évolue régulièrement. C'est pour ça qu'il est complètement différent par rapport à avant. Et puis surtout, le vélo est complètement différent. Là, on est sur un vélo beaucoup plus pensé pour l'ultra distance, beaucoup plus confortable. Avec, comme je vous avais montré dans ma vidéo setup, il y a pas mal de possibilités. Là, j'utilise pas, mais il y a des œillets sur la fourche, il y a pas mal d'œillets sur le cadre qui permettent d'imaginer des sorties bikepacking plus longues, peut-être moins difficiles que de Biking Man, mais sur plus de jours avec de quoi dormir et tout ça. Je voulais aussi parler des éventuels petits rajouts que je pouvais faire en fonction des conditions. Donc par exemple, si je veux dormir, j'ai possibilité d'emmener un kit de couchage. Donc en gros, c'est un bivy, un matelas gonflable, un duvet et éventuellement une petite housse une housse d'oreiller. Donc ça me permet de dormir vraiment dehors s'il pleut, s'il fait froid et si j'ai pas d'autres moyens de dormir, je peux dormir dehors avec ça. Donc ça, je peux tout mettre dans la sacoche de selle. Mais j'ai testé, alors ça fonctionne parfaitement, mais ça rajoute beaucoup de poids. Donc sur des courses ultra comme le Biking Man, moi je prévois pas de dormir, ou en tout cas si je dors, je dormirai en fonction de ce que je trouverai. Je vais pas monter mon matelas, mettre mon duvet, mettre mon bivy, ça sera à la dure. Mais par exemple pour les Cévennes, que je vais faire la semaine prochaine, on n'a pas encore totalement décidé. Normalement, comme il y a le couvre-feu, on va dormir en Airbnb ou chez l'habitant, on verra. On va pas dormir dehors. Si on décide de dormir dehors, en bivouac, je peux emmener mon kit de couchage. Et bien sûr, après, tout ça, c'est adaptable en fonction des conditions, de la distance, du parcours et tout ça. Donc, encore exemple, dans les Cévennes, pour l'instant, j'emmène ce setup sans couchage, mais avec tous les vêtements que j'ai montrés ici. Mais par exemple, si je vois qu'ils annoncent pas de pluie du tout et qu'il fait chaud, je vais pas emmener ma veste... Mon t-shirt à manches longues technique en cas de chaleur. Je vais pas emmener mes surchaussures en cas de forte pluie s'ils annoncent pas de pluie. Je vais pas emmener ma veste Gore-Tex avec capuche s'ils annoncent pas de pluie. Donc en fait, je peux vraiment alléger. Comme là, c'est un 450 km, la météo, je peux la regarder sur deux jours. Je suis assez confiant et je peux emmener moins de choses. Mais par exemple, sur un Biking Man qui dure 1000 km et qui dure potentiellement 3 jours, voire un peu plus, et que c'est les Pyrénées, là, je vais emmener tout ce que j'ai montré là. Mais j'emmène pas de couchage non plus. Bon bah j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à la prochaine. Moi je rentre chez moi, roulez bien, faites de l'ultra, faites du vélo, faites du VTT, faites ce que vous voulez mais faites-vous plaisir. Allez, on se dit à plus. Bon voilà, je quitte mon bout de chemin. J'espère que j'ai pas oublié trop de choses. Parce que comme j'ai pas du tout écrit ma vidéo, c'est peut-être un peu décousu. On va tester ça dans les Cévennes dans une semaine. 450 km, 10 000 mètres de dénivelé. Ça va piquer, j'espère qu'il va faire beau. Quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai sûrement déjà fait.